Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De ma part, je vais très bien, alhamdoulilah. Donc voilà. Qui me voit, je trouve ma vidéo de Khara. Aline Delcom. Aline Amon Makoum, les formulaires du dossier de visa. Donc, nous faisons bien. Peut-être la meilleure façon de faire un peu de temps. Et les papiers les plus importants sur le dossier de visa. Donc, Aline Delcouchi fait sur l'ordinateur. Aline Delcouchi fait sur l'ordinateur. Aline Delcouchi fait sur l'ordinateur. Donc, c'est la meilleure façon. On va nous faire un peu de temps. On va nous faire un peu de dossier sur Facebook. Donc, on va nous faire un peu. Donc, voilà. Donc, l'inbri, comme on a dit la vidéo, Inch'Allah, qui m'a lancé 200 likes. On va nous faire un défi. Là, on a la vidéo, Inch'Allah, on va nous 300 likes. Voilà, si je n'ai 300 likes, je vais vous dire 500 likes. 500 likes. Maintenant, je vous fais plaisir, donc faites-moi plaisir en échange. Donc voilà, 500 likes ou partagez avec vos amis. Donc voilà, le défi. Alors, on va vous donner les vidéos de Work Visa. On va vous donner Kamil. Je vais vous donner une chose sur Facebook. Donc, on va vous donner les. Donc voilà, 500 likes sur la vidéo, Inch'Allah. Ou pour que plus de visionnage sur la chaîne, Inch'Allah. Donc voilà, j'espère bien que vous compte aider l'idée. Écrivez les commentaires sur toutes les propositions de la chaîne. Donc voilà, Rebonjour tout le monde. Donc voilà, je mets la cam. Magnifique. Donc voilà, il y aura un petit changement, un tout petit changement. Donc voilà, je vais terminer la vidéo en français pour que tout mon public puisse me comprendre. Donc, comme vous savez tous, la famille Amir se compose de voilà différentes nationalités. Il y a des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Sénégalais, d'autres pays d'Afrique, etc. Donc, on va faire plaisir à tout le monde. Voilà, donc on enchaîne. Alors, tout d'abord, vous allez viser le vous allez mettre sur Google Campus France. Maroc. Alors pour les autres, vous allez seulement changer le pays ici, par exemple mettre Tunisie. Donc c'est voilà, c'est clair. Donc, pour nous, c'est le Maroc. Alors cliquez sur le premier lien. La procédure préconsulaire, vous avez une préinscription. Voilà. Alors venez ici pour connaître les pièces exigées par le consulat de France. Cliquez ici. J'ai déjà fait ces étapes, mais je les refais quand même. Alors, ici, vous allez trouver toutes les pièces à fournir, mais de préférable, pour moi, je vais les télécharger. Pour vous aussi, c'est beaucoup mieux. Donc, alors là, vous allez trouver deux versions. Alors, la première version, c'est pour les étudiants mineurs. Et la deuxième version, c'est pour les étudiants majeurs. Donc, pour mon cas, ça serait le dossier des étudiants majeurs. Voilà. Il n'y a pas une grande différence, ne vous inquiétez pas. Il y a quelques papiers à changer et des trucs comme ça, vite fait. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai déjà téléchargé les pièces à fournir. Donc essayez en même temps de la vidéo de télécharger le dossier. Je vais vous mettre les liens dans la description. Donc, comme ça, vous aurez le temps à les lire à tête reposée. Donc, voilà, tranquillement. Donc, je vais laisser ça. Prenez de votre temps à les lire. Vous pouvez stopper la vidéo si vous voulez. Alors, donc, je vais passer directement au formulaire. Donc, pour cette vidéo, je vais vous aider à remplir le premier formulaire, qui est le formulaire de demande de visa long séjour. Alors, on va directement à ce formulaire. Où est-il? Où est-il? Alors. Alors, il est là. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Donc, voilà. République française, demande de visa pour un long séjour. Donc, ici, vous allez mettre votre photo. Le préférable, une photo comme ils ont cité ici. Aux normes qui répond aux normes réglementaires. Moi personnellement, j'ai mis ma photo de passeport. Voilà. Alors, ici vous allez rien faire. Alors, ici c'est le nom, c'est clair, nom de famille, prénom,
date de naissance, lieu de naissance, nationalité actuelle, pardon, pays de naissance, nationalité à la naissance, si différente. Donc, si vous avez deux nationalités et que vous avez eu déjà une nationalité lors de votre naissance, donc, je ne sais pas si c'est votre cas, vous la remplissez, sinon, vous la laissez vide. Donc, pour le sexe, soit masculin, soit féminin, voilà, alors l'état civil. Célibataire, donc la majorité de vous sont célibataires, donc vous cochez célibataire. Numéro 10, pour les mineurs, nom, prénom, adresse, différente de celle du demandeur. Alors, si par exemple vous habitez dans une autre adresse différente différente de celle de vos parents ou de votre tuteur légal, donc vous la mettez ici. Et aussi la nationalité de l'autorité parentale, genre la nationalité de vos parents ou de vos tuteurs. Alors, numéro 11, numéro national d'identité, donc c'est clair. Le numéro 2, votre CIN, la carte nationale. Alors, numéro 12, type de document de voyage. Donc, pour nous, les étudiants, c'est un passeport ordinaire. Donc, vous cachez passeport ordinaire, tranquille. Alors, numéro 13, numéro de document de voyage. Donc, dans votre passeport, dans la première page où il y a votre photo et 11, pardon, vos informations personnelles, donc vous allez trouver un numéro. De passeport, il y a aussi dans la même page la date de délivrance, date d'expiration et délivrée par la structure d'infirmière. À vous de voir. Alors, numéro 17, adresse du domicile. Donc, votre adresse, c'est normal. Adresse électronique, électronique, pardon. Alors, vous allez mettre votre mail. Ici, le numéro 19, numéro de téléphone. Voilà, électronique. Alors, numéro 20, en cas de résidence dans un pays autre que celui de la nationalité actuelle, veuillez indiquer. Donc, ça, c'est pour les gens qui font leur étude dans un autre pays et qui ont déjà voilà, une carte de séjour. Donc, par exemple, si moi je fais mes études supérieures en Algérie, donc j'aurai évidemment pardon, une carte de séjour, donc je vais mettre numéro de séjour, date de délivrance, l'expiration. Donc, voilà. C'est pour ces gens-là. Alors, si vous êtes un jeune travailleur ou une jeune travailleuse, vous allez mettre votre activité professionnelle. Sinon, ne mettez rien. Alors, numéro 22, votre employeur, nom, adresse, courrier, numéro de téléphone. Pour les étudiants, vous allez mettre le nom et l'adresse de l'établissement d'enseignement. Donc, les informations sur votre établissement actuel. Si vous êtes en bac, vous allez mettre les informations de votre lycée. Si vous êtes en université, les informations de votre université et ainsi de suite. Alors, numéro 23, je sollicite un visa pour le motif suivant. Alors, c'est études. On va cocher la colonne études. Voilà, c'est pour tout le monde ça. Numéro 24, nom, adresse, courriel, numéro de téléphone en France, de l'employeur, de l'établissement d'accueil, du nombre de familles invitant. Donc, si pour vous, vous allez mettre l'adresse de votre université. Alors, vous allez la chercher sur Google ou bien sur le mail de confirmation de votre admission dans leur établissement. Vous allez trouver l'adresse. Alors, numéro 25, quelle sera votre adresse en France pendant votre séjour? Voilà. Alors, ici, pour l'adresse, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez sûrement vous demander comment je vais trouver une adresse et je vais toujours au Maroc, blablabla. Alors, je sais déjà ce que vous dites, ce que vous en pensez. Donc voilà. Alors, déjà, vous n'allez pas commencer à remplir ce formulaire jusqu'à qu'on valide avec vous sur la plateforme Campus France votre dossier et qu'on vous donne un rendez-vous de visa. C'est la première des choses. Et ça commence généralement au mois de 6. Voilà, début mois de 6. Donc c'est la première des choses. La deuxième des choses, alors. Si vous avez quelqu'un qui va qui si vous êtes hébergé, par exemple, donc là c'est le cas le plus facile, vous allez mettre son adresse. Voilà. Alors si vous avez déjà trouvé un studio ou bien un appartement en France, je sais pas comment vous avez fait ça, mais je m'en fous carrément. Si vous êtes dans son gal, dans ce cas-là, pardon, vous mettez votre adresse. Adresse de votre studio ou bien appartement. Ou bien le CROUS aussi, si vous êtes admis dans la cité universitaire. Voilà. Et troisième des cas, si vous n'avez rien de tout cela, vous allez mettre votre réservation d'hôtel. Alors, sûrement, vous aurez déjà votre réservation d'hôtel. Donc, vous allez mettre ici la réservation d'hôtel, l'adresse de l'hôtel
et enfin l'adresse de l'hôtel, et vous allez écrire un petit mot comme quoi vous allez rester dans l'hôtel pendant 2 semaines ou 1 mois, je sais pas combien de semaines vous allez réserver, c'est à vous de voir, en attendant de trouver un logement. Voilà. Donc, vous allez écrire un petit paragraphe dans cette colonne. Alors, numéro 26, date d'entrée prévue sur le territoire de la France. Alors, ou dans l'espace Schengen. Alors ici, moi personnellement, j'ai mis qu'est-ce que j'ai mis? Oui, j'ai mis la date de ma première journée dans l'hôtel. Voilà, c'est clair. Alors, numéro 27, durée prévue du séjour sur le territoire de la France. Donc, vous allez cocher entre 6 mois et 1 an. 28, si vous comptez effectuer ce séjour, pardon, avec des membres de votre famille, veuillez indiquer. Donc, si vous avez de la famille en France, n'hésitez pas à indiquer le lien de parenté entre vous, pardon, leur nom, prénom, date de naissance et nationalité. Numéro 29, quels seront vos moyens d'existence en France? Alors là, vous allez écrire un virement, voilà, un virement permanent et irrévocable, pardon, d'une somme, de la somme de 7 000 dirhams par mois. Voilà. Et si vous voulez ajouter et un blocage de la somme 90 000 dirhams pour l'année universitaire 2017-2018, vous pouvez ajouter cette petite phrase si vous voulez. Mais sinon, le virement permanent et irrévocable de 7 000 dirhams par mois, c'est suffisant. Ou bien 615 euros, c'est. Vaut mieux la citer en euros qu'en dirhams. Enfin, vous avez le choix, c'est à vous de voir. Je vous donne seulement les choix que vous avez. Donc, serez-vous titulaire d'une bourse? Oui ou non? Ça dépend de votre cas. Si oui, vous indiquez l'adresse et le téléphone de l'organisme, voilà, et le montant de la bourse. Sachez que si vous êtes boursier en France, vous aurez plus comment dire, voilà, plus d'avantages que les non-boursiers. Voilà, donc, alors numéro 30, ouais, c'est ça. Serez-vous pris en charge ou prise en charge par plusieurs personnes en France? Ils vont cocher oui. Si vous n'avez pas de garant en France, vous cochez non. Si oui, vous mettez ces informations ici. Et n'ayez pas peur, il n'y a pas de problème si vous n'avez pas un garant en France. Donc, c'est tranquille. Alors, numéro 31. Numéro 31, des membres de votre famille résident-ils en France? Alors, c'est clair, oui ou non, si oui, vous remplissez cette colonne. Alors, numéro 32, avez-vous déjà résidé plus de 3 mois consécutifs en France? Donc, voilà, oui ou non, c'est clair aussi, si vous avez déjà séjourné en France plus de 3 mois, vous allez cocher oui, sinon non. Et si oui, vous allez préciser la date de votre séjour et le motif pourquoi vous étiez là-bas, pour un stage ou bien pour vacances, du tourisme, à vous de voir. Ok, vous mettez l'adresse aussi. Donc, c'est bon. Donc, là, vous mettez le lieu et la date. Et ici, la signature. Bon, si vous êtes mineur, c'est votre tuteur qui va signer le document. Donc, la vidéo prochaine, on va voir la fiche de renseignement, visa étudiant. Donc, je vais voir avec tout ça. C'est ici que c'est un peu compliqué dans la prise en charge. Donc, les gens ne savent pas quoi faire ici dans ces deux tableaux. Donc, ne vous inquiétez pas. La vidéo prochaine, je vais voir tout ça avec vous. Donc, j'espère. Bon, c'était un peu long, mais j'y peux rien. Donc, voilà, j'ai essayé de tout expliquer et tout éclaircir. Et si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas de me contacter sur mon profil Facebook. Vous avez tous mes réseaux sociaux sur ma page YouTube. Suivez-moi sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat si vous voulez. Ok, c'est à vous de voir. Et comme on a fait un marché, donc j'aimerais bien que cette vidéo atteigne les 500 likes. Donc je vous fais plaisir, faites-moi plaisir, encouragez-moi pour faire
d'autres vidéos, pardon, et vous aider bon, votre voilà, bon, autre chose si je peux bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas de partager avec vos proches, de liker, de s'abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo, je vais partager avec vos amis, votre famille. N'est-ce pas de la vidéo. Donc voilà, prochaine vidéo, Inch'Allah, notre formulaire. Encore une fois, Inch'Allah, les papiers. Nous nous retrouvons avec vous. Et si vous avez des questions, quelque chose de plus, contactez-moi sur Facebook, sur mon profil Facebook. Laissez-moi vos messages. Je vous réponds, je vais vous répondre et je vous comme ça la vidéo prochaine. A plus.